Bonjour, monsieur Félix Marsol, enchantée. Je me présente, je suis Maria, oui, je suis l'épouse de Xavier, vous me connaissez via mes vidéos. Ben, même si vous vous en cachez, je sais maintenant que vous avez jeté un œil sur l'une de mes vidéos. Et même si la vidéo que vous avez pas vue, la vidéo que vous avez vue, pardon, elle n'avait que peu de vues, ben, grâce à vous, elle en a une de plus. Donc, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée, d'avoir un petit peu, enfin, même si vous avez juste visionné que quelques secondes, parce que du coup, vous savez de quoi elle parle. Et juste comme ça, entre nous, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça me fera un abonné de plus. Et puis à liker et puis à partager, tant qu'à faire, hein, puisque c'est sur le bien-être et une nouvelle façon de voir l'avenir. Ça pourrait peut-être vous aider et ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Merci. C'est spécialement pour vous. À bientôt, j'espère, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne ou comme vous voulez. À bientôt. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à partager avec vous. Voilà. Hier, j'ai reçu donc le livre que j'avais commandé pour ma nouvelle vie, ma nouvelle étape. C'est Géraldine Garance, Vivre sa médiumnité au quotidien. Voilà. Donc, je regarde un peu parce qu'avec le soleil, c'est pas évident. Heureusement, on en a, mais c'est pas évident. Donc, j'essaye de faire. Voilà. Attendez. Je fais en sorte qu'il y ait un peu plus de luminosité. Voilà, je bouge un peu. Voilà le livre. Alors, j'en suis. Hier, j'ai commencé à le lire pendant les informations. J'ai été dans la chambre parce que j'ai horreur des informations. Donc, soit je coupe le son quand je suis toute seule, soit je mets le casque ou je m'en vais voir ailleurs ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre. J'en suis à la page 12. Enfin, même 13. Et c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle façon de parler, mais j'ai remarqué au final que pour toutes les personnes qui étaient médiums, où on passe de le devenir, on avait toutes plus ou moins le même vécu. C'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas à l'école, c'était pas. Non, c'était pas. On n'arrivait pas à voir ce qu'il fallait. L'école globale, hein, avec les amis, les cours, etc., ça ne nous intéressait pas. On passait un petit peu pour des hallucinés parce qu'on ne voyait pas la vie comme les autres. Alors, très jeune, on a des petites choses, des flashs, des ressentis. Mais quand on en parle autour de nous, bah, ma foi, on se dit, ma fille, t'es pas bien, revois un petit peu ta situation. Plus tard, si vous continuez, bah, c'est plus ma fille, t'es pas bien, c'est va consulter un psy. Hein, je te jure, Maria, t'as besoin d'un psy, c'est urgent là, ça va pas du tout, t'es peut-être pas du tout comme il faut et tout. Et au final, je me rends compte que. Au début, je me dis, ouais, c'est peut-être moi qui déconne, c'est peut-être moi qui vais pas bien et tout. Et en écoutant tous les gens qui sont médiums ou qui ont ouvert leurs capacités, eh ben, je me rends compte qu'on a tous plus ou moins le même vécu dans notre enfance. Qu'on était appelé à faire ça, à avoir cette capacité à l'ouvrir. Mais que comme on était trop sur le jugement des autres, de ce que les autres pensaient de nous, finalement, on a fermé cette capacité, on a laissé tomber, on a fait autre chose. Des choses qui n'allaient pas du tout avec notre personnalité, mais qu'on a fait quand même. Pourquoi? Ben, parce qu'on rentrait dans les rangs et du coup, ben, on plaisait davantage à notre entourage, à notre famille, à nos amis. Voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Alors, pour information, hein, le fait d'ouvrir ses capacités
à tout ce qu'on a, c'est-à-dire la médiumnité, la voyance, la clairvoyance et tout le reste, n'empêche pas d'être gentil. Non, ça ne nous empêche pas d'être gentil, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'empathie, ça ne nous empêche pas d'avoir tout plein d'amour à donner. Au contraire, c'est même, comment dirais-je, un appui. Le fait, bon, je parle de la médiumnité parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà, oh, pas travaillé, mais exercé, voilà, je l'ai déjà exercé. Et nous comptons, on peut donner plus, on peut donner plus parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on aide les gens qui sont perdus, qui savent pas trop où aller, qui sont complètement, qui sont en souffrance, voilà, en souffrance, dans tous les sens du terme, en souffrance, que ce soit physique ou morale, dans tous les sens du terme, on les aide, soit par des messages. Souvent les médiums sont un peu thérapeutes, donc rien qu'en les écoutant et en leur renvoyant ce que nous on entend, donc du fait qu'on devient miroir de l'autre et on peut aider comme ça, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui se voit pas dans le miroir. Hein? Admettons, la médiumnité, c'est un miroir. On ne voit pas, enfin, une partie de la médiumnité peut être un miroir si on s'en tient au thérapeute. Par exemple, il y a quelqu'un qui se voit jamais dans le miroir, et puis un jour, elle décide de se dire, tiens, je vais aller voir comment ça se passe, comment je suis vraiment dans ce miroir. Et là, elle se rend compte qu'elle a des petits soucis à droite et à gauche, qu'elle a un petit bouton, qu'elle a des trucs qui vont pas. Mais elle ne sait pas comment s'en défaire, elle ne sait pas comment s'en sortir, etc. Donc, les thérapeutes, les médiums sont là pour aider, donc faire ressortir le pourquoi de ce bouton, lui faire comprendre pourquoi ce bouton est là, et au final, le faire disparaître par la suite. Voilà, bon, bah, je vous prends l'histoire du bouton, mais ça peut être. Mais c'est vraiment une image, hein, c'est pas la réalité. C'est en fait sur les problèmes profonds, les problèmes personnels, les problèmes de travail, les problèmes en relation avec les amis, avec la famille, etc. Des fois, bien souvent, c'est des anciennes blessures que l'on a, qu'on n'a pas réussi à ressortir. D'ailleurs. Si je reprends quand j'avais encore, avant de fermer ma capacité à la médiumnité, beaucoup de gens sont venus me voir et ils ont parlé avec moi et au final, il en ressort que c'est surtout des blessures du passé qui n'ont pas été guéries ou qui n'ont pas été, qui sont pas parties. Qui reviennent sans cesse, sans cesse, sans cesse, vous pourrir la vie. Voilà. À un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Il faut se dire, bon, ok, d'accord, j'ai vécu ça dans le passé, mais maintenant, bah, je dois passer à autre chose, il faut que j'arrête de vivre avec ça. Pour arrêter de vivre avec ça, bah, même si c'est des souffrances très difficiles et je sais de quoi je parle, il faut pardonner. Il faut se pardonner de l'avoir fait parce que. On ne savait pas à ce moment-là comment on agissait. On avait bien cette petite voix au fond de nous qui nous dit, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais le fait de plaire aux autres ou de faire ce que les autres voulaient que l'on fasse ou que l'on soit, fait que bah, on l'a pas entendu, cette petite voix. Donc du coup, on a fait des bêtises, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Et au final, c'est toutes ces choses qu'on a fait, qu'on n'a pas écouté notre petite voix et que l'on a fait, qui reviennent sans arrêt, nous pourrir le présent. Si nous, on ne fait pas attention. Voilà. Donc, il faut absolument se pardonner à soi, pardonner à la personne qui vous a fait du mal et se dire, c'est bon, maintenant, nettoyer, c'est dans le passé, on n'en parle plus. Voilà pourquoi je vous parle d'amour, parce qu'au final, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, c'est un acte d'amour, parce que c'est très difficile de se pardonner à soi-même. C'est aussi très difficile de pardonner à celui qui nous a fait du mal, hein. Ça, je peux vous assurer que c'est très difficile. Mais au final, si vous continuez à nourrir, voilà, à nourrir cette rancœur, cette haine, au final, premièrement, l'autre, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire parce qu'il est passé à autre chose, il n'en a rien à faire. Mais vous, ça continue à vous faire du mal et à vous ronger.
et c'est vous qui êtes malade au final. Donc, autant passer le cap, pardonner, se pardonner et pardonner à la personne qui vous a fait du mal de façon à pouvoir avancer et à pouvoir aller de mieux en mieux. C'est pour ça que je vous dis que la médiumnité peut être soit des messages que l'on reçoit pour vous, soit l'écoute. L'écoute et vous renvoyer ce que vous savez déjà au final, mais que vous ne voulez pas entendre parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et quand ça fait mal, on met de côté. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Moi, souvent, quand je suis en train de parler avec des gens sur Facebook ou autre, quand on se lance des conversations vraiment intéressantes, eh bien, bien souvent, je me rends compte que je ne suis plus aux commandes. Au final, on me fait écrire un message. C'est moi qui tape sur le clavier, mais le message descend. Et j'envoie le message. Et au bout d'un moment, plus rien. Donc, c'est-à-dire que j'ai servi à ce moment-là de canaliseur. Ouais, j'ai été un canal, voilà. Et les guides ont transmis à cette personne ce qu'elle devait savoir, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait faire. Non, pas ce qu'elle devait faire parce qu'elle a son libre arbitre, mais lui ont fait passer le message qui serait le mieux pour elle si elle décidait de le suivre. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc voilà, être médium, c'est recevoir des messages et les transmettre. Plus vous êtes dans la lumière, plus vous montez en énergie, plus vous montez en vibration, et mieux vous pourrez recevoir les messages. Donc, transmettre les messages, que ce soit par voix, comme là je suis en train de vous parler, que ce soit par écrit, parce que bien souvent, vous servez de canal, juste les guides ont besoin de dire à la personne ce qui est bon pour elle. Donc, ils disent, après, libre à la personne, puisqu'elle a son libre arbitre. C'est aussi parfois des guides ou des êtres de lumière ou des défunts qui veulent rentrer en contact, mais qui ne peuvent pas parce que soit ils n'ont pas la force de vous contacter, soit vous n'êtes pas en état d'écouter leur message. Et de par ce fait, ils passent par des gens, par des médiums, donc, qui sont là pour transmettre le message. Comme le dit si bien Géraldine Garance, médium, c'est-à-dire c'est être au milieu, c'est-à-dire être entre le monde des vivants et le monde des esprits. Le monde des esprits étant très vague, très vaste, pardon, excusez-moi pour le lapsus, très vaste du fait que, dans le monde des esprits, il y a donc vos défunts, mais il y a aussi les êtres de lumière, il y a les guides, il y a il y a l'univers, il y a le Dieu créateur, il y a tout. Donc, vous êtes au milieu, c'est-à-dire que vous êtes là pour transmettre des messages. Voilà. Alors, bon, ça plaît pas, vous voulez les suivre, vous voulez pas les suivre, ça c'est tout à fait de votre décision propre. Toujours est-il que les médiums sont là pour ça. Alors, les médiums, moi, j'aime pas trop l'étiquette de médium, parce qu'au final, c'est une étiquette qu'on vous met dessus. On a des capacités, j'en suis consciente, parce que c'est bon, maintenant, je vais arrêter de fermer les yeux et de me dire, non, Maria, tu déconnes. Non, je déconne pas. Non, je suis sourde de mon coup, je suis sourde de mon fait. Quand je reçois un message, je sais que ce n'est pas mon invention, ce n'est pas mon mental, c'est bien quelque chose qui finit par se réaliser parce que plus d'un tour, j'ai eu des ressentis, j'ai eu des messages qui me sont venus et j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible et tout. Et au final, ils se sont avérés exacts. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de réouvrir ma capacité. C'est pour ça que j'ai commandé donc le livre de Géraldine Garance qui me parle beaucoup. C'est comme si je l'avais déjà entendu de par le passé ou je sais pas, quelque chose, ou on me l'a soufflé ou n'importe.
que j'ai pas tout de suite été ouverte à ce qu'elle disait, mais maintenant ça me parle vraiment et j'ai vraiment envie de continuer ce livre pour voir un petit peu ce qu'il en est, en attendant de recevoir ces fameuses cartes que je devrais recevoir d'après les messages que j'ai reçus d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, pour pouvoir donc faire ces tirages de cartes hebdomadaires. Voilà. En attendant, bah écoutez, j'espère que c'est un petit peu plus clair, que vous comprendrez un peu mieux. Surtout si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Vous avez vu hein, en début et vous verrez enfin, c'est plus pareil, j'ai changé, j'ai vraiment changé. Voilà, en attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix, ayez la foi, soyez dans l'amour, dans la joie et dans le bonheur. Et si vous rayonnez l'amour, la joie et le bonheur, il viendra à vous. Ne faites pas attention, enfin, ne prêtez pas trop attention à ce qui se passe actuellement. Soyez sur vous. Dites-vous que c'est une étape à passer. Ben ouais, c'est une étape à passer. Il faut passer par là. Donc, soyez centré. Moi, j'ai ma petite bougie d'allumée régulièrement. Soyez centré, soyez en vous. Et que la paix, le bonheur et l'amour règnent dans votre cœur. Et portez-vous bien. Aimez-vous. 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 Bye.